bien fait, nous l'avons attendu. Nous pas qu'à laisser la police venir, nous pas qu'à dire que nous avons dit nous même nous payons pour ça, cimer là. Nous même nous payons pour ça, salaire là. Donc, il n'est pas correct. Nous attendons 2 ans. Nous pas une menace du monde pour dire nous à 10 bouts d'or soleil dans une ville tropique que nous pouvons brûler. C'est le juge qui est le genre de la police. Pas de menace que là. Pas de menace personne. Il ne va pas grouper. Nous t'allons. Non, c'est l'olimine depuis juge, ce qu'on dit à nous. Nous pas en droit, mais personne. Non, on dit à nous, on dit avec moi directement, personnellement. Nous, l'autre. Non, l'autre, il vient des juges. C'est ce qu'on dit à moi, monsieur. Nous pas en droit. Non, ce qu'on dit à moi, ou on dit à moi, si. Il n'y a pas les accoupements. C'est une manifestation pacifique, monsieur. Laisse-nous faire une manifestation pacifique. Il y a un bon Dieu qui veut que tout là, mon frère. Oui. Pas d'inan, tu veux dire. Ce qui nous veut dire. Vous avez vous parler. Vous avez vous quand tu passes à la sociale, tu devrais vous parler. Oui, il y a un mètre, ça, non? Il y a un mètre, ok, il y a un mètre correct. Oui, bonjour, Maurice. Bonjour, devant la Cour suprême, pour qui ça fait? Nous devant la Cour suprême, aujourd'hui, parce qu'il nous réclame que la Cour suprême tranche au plus vite possible dans toute bonne pétition électorale. Et surtout dans la pétition électorale, dans le numéro 8, quand le Premier ministre vient et ses deux coalisateurs fait défendre mon accusation de fraude dans ce pays-là. Et mon avis fait une remarque qui fait 2 ans que la population mauricienne fait attendre qui nous vient un jugement dans même pas une seule pétition électorale, mais c'est moi dans Kenya, dans l'Afrique. Que du monde même parcours de démocratie aussi fort qu'il démocratie Maurice. Fini dans une élection présidentielle en 2018, en juin, juillet. Que tu n'as pas une allégation fraude dans sa élection là dans Kenya. Et dans août 2018, la Cour suprême Kenya une tranchée, une casse élection présidentielle en Kenya. Et en novembre 2018, fini dans une nouvelle élection présidentielle dans Kenya. Mais que nous étions à Maurice, à Zodi. Que nous attendons 2 ans et nous pas encore aucun résultat. Donc nous pouvons dire que ce gouvernement-là est illégitime jusqu'à la Cour suprême trancher une fois ou l'autre. Et si la Cour suprême tranchait, il dit que ce gouvernement-là est légitime, il est là dans une pétition électorale capable d'envoyer ça en Angleterre dans le Privy Council. Que nous dire Privy Council pour casser sa élection générale 2019 là. Merci beaucoup.